Salut à tous, bienvenue sur Endless Space. Encore une fois, désolé, j'ai encore dépassé la demi-heure, mais quand on est pris par le jeu, on est vraiment pris par le jeu. Et là, j'avoue que j'étais pris dans les batailles, un truc de fou. Ce qui compte, c'est que j'ai réussi à signer un cessez-le-feu intéressant, et que je lui ai encore grignoté deux systèmes solaires. Donc, ce que je voulais faire, c'était quand même essayer de tuer ces flottes dans mon terrain. Alors, c'était donc... le combat avait été lancé, donc c'était du bourre-pif. Et on tentait notre chance. Go! Putain, on en a eu un et on en a eu deux. Putain, par contre... il me fait beaucoup plus de dégâts que moi. C'est ouf. Et là, c'est avec la flotte de missile cette fois-ci. En flak. Putain, il est aussi performant en flak. Par contre, ça, c'est pas des vaisseaux qu'on l'attaque. Donc c'est pareil, on y va en full attaque, bourre pif, feu. On en a eu un. Normalement on n'est pas censé être flou, on devrait pas être sur blocus. Peut-être au tour suivant ça va se calmer. Voilà, okay. Les effets de blocus sont partis, du coup on va gagner. Oh putain, on gagne beaucoup de sous en plus. On descend tout de suite parce qu'il faut, que les greffes s'arrêtent. Faut que ma production reparte. Ok. Donc là, la production est repartie. La science est terminée. L'hyperium, j'ai le monopole. Titan, j'ai un monopole. Ça aussi, j'ai un beau monopole. Là, j'ai un beau monopole. Tiens, événement aléatoire. Alors, oh putain. Donc, moins 3 habitants sur l'Empire, moins 3 habitants tous les 6 tours pendant 20 tours. Ça, ça coûte très cher. Moins 20. Oh là 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 là, c'est abominable. En gros, quoi qu'il arrive... Quoi qu'il arrive, on va perdre beaucoup de population. Sacrifier de la population, c'est pas bon. Sacrifier la science pendant 20 tours. Allez, on va sacrifier de la... science. Je vais prendre un sacré retard, mais au moins, je vais m'en sortir. Allez, on est reparti, on va retenter. Ça, c'est... Franchement, on va l'avoir un jour. Bon, et au pire, au moins, on se débarrasse de certains vaisseaux. Boum! Voilà, il a fui. Flotte suivante. Pareil, même stratégie. Il va certainement fuir lui aussi. Il n'y a même pas besoin de m'inquiéter. Je sais déjà ce qu'il va faire. Voilà, il a fui. Pareil qu'il est là-bas, sauf que là-bas c'est il est vraiment intuable. 5000 de flotte, comment je fais? Tant que j'ai pas mes nouveaux lasers, ce sera un carnage. On tente. Il a fui. J'enlève ça, attendez, hop, je prends tout le monde, j'enlève ceci. Comme ça, normalement, il est censé pouvoir partir. Lui, il a pris niveau 21. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner au niveau 21? Je m'en fous, Tout ce qui est en bas, je m'en fous totalement, quoi. Je vais tester ça pour voir qu'est-ce qu'il y a après le plus 2 en flotte. Sincèrement, toutes mes flottes, je vais essayer de les regrouper à un endroit où je pourrais les gérer. On va essayer ici. Je vais grouper toutes mes flottes ici pour voir tout ce que je dispose. Je vais t'en sortir tous ceux qui dorment aussi, pareil. Ça sert à rien de les faire dormir éternellement. Faut voir ce que je peux créer. Ah, j'en avais 9. Je me disais bien que j'arrivais pas à les trouver. Tac, 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 créer, tout sélectionner, créer. Allez, toutes ces flottes-là, on va ici.
Faut voir tout ce qu'on peut créer. On s'en fout. Putain. En plus, avec ce malus en recherche, je me demande en combien de temps je vais réussir à débloquer mon arsenal. Attendez, ça c'est le United Empire. Avec eux, normalement, j'ai des super accords. Accord. 4000, c'est trop cher. J'en veux pas, j'en veux pas. 3000, trop cher. 1500, c'est prenable. Je pourrais leur prendre ceci. Donc, plateforme Ghost Mobile. C'est quoi la plateforme de Ghost Mobile? Plateforme Ghost Mobile, c'est ça. C'est pas essentiel, mais c'est déjà une nouvelle technologie que j'ai pas. Donc c'est parti, accord de coopération, tu me donnes ta plateforme. Ça, ça coûte 130, t'es pas content. Et si en plus, tu me donnais un peu de sous. C'est clair que c'est un peu de sous. Bim. En plus, t'es en guerre contre tout le monde, mec. Je sais pas ce que tu fais comme ça. Ensuite, les pilgrims. On est déjà, on a déjà un accord avec eux. Et les ISO. Pareil, accord, non, accord de coopération, ils veulent pas. Autre chose. Non. Ça qui est un truc que je voulais essayer aussi. Vous, en fait, vous partez là-bas maintenant. Punaise. Vous vous cassez, en fait. Ok, en fait, l'entrée du territoire de l'Empire, il est totalement gardé. Je peux pas y accéder. Peut-être en passant par Janus. Bougez-vous tous. Donc là, j'ai toutes mes flottes qui sont ici. Et bien, vous savez quoi? Pendant quelques tours, en fait, l'accord avec les Horatio, il est jusqu'à quand? 6 tours. Et bien, pendant 6 tours, tous mes chefs, ils vont aller sur les systèmes. Hop, je vais les classer par production. Toi, tu vas aller à Banshear. Toi, tu vas aller... Ah, c'est Akab le suivant. Punaise. Et toi, tu vas aller à Veram. Comme ça, toutes les flottes, je vais simplement et tout bêtement les dissoudre. Sauf 2-3 vaisseaux pour faire des 3 petits trucs. Voilà, toi, je te crée tout seul. Tu pars à Janus. Enfin, à Jovanus. Il m'en faut encore un autre pour être tranquille. Tac. Voilà, toi aussi, créé. Tu pars aussi à Jovanus. Ensuite, tout le reste, on dissout. Alors. Plus 2 sur l'Empire tous les 20 tours. Moins 2, moins 2, plus 2. Oh punaise, ça va faire très mal. On va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de population. Allez, tout le monde bouge. Toi, tu vas envoyer un vaisseau là-bas. Go. C'est chez les bleus. Ok, toi tu vas aller là-bas. C'est bloqué. Tu vas continuer là-bas. J'essaie d'explorer un peu. Mais c'est pas une chose facile. Du coup, ici il y a trop de flotte. Toi, tu vas tenter ta chance par ici. Ça produit, ça produit. Allez, fin du tour. De toute façon, j'attends qu'une seule chose. J'attends ma nouvelle flotte de méga laser. C'est la seule chance qui me reste pour espérer faire quelque chose. Donc ça, c'est la flotte. Donc ça, c'est l'Empire Horatio. Créé. Donc... où ça? Taurus.
C'est l'Amobax hein, qui nous a intercepté. On va tenter la fuite parce que j'ai pas fini d'explorer. J'aimerais bien pouvoir fuir. Bon, la fuite a été ratée, dommage. Là. Est-ce qu'il y a des possibilités de passer? Je pense pas, ça serait su sinon depuis le temps. Donc il y a les flottes du United Empire, il y a les flottes des Iso, il y a les flottes des Horatio. Sincèrement, comment ils font pour avoir autant, mais autant de flottes? Je peux pas, moi, financièrement, je peux pas avoir autant de flottes. Toi, tu vas aller ici. Ah, j'ai bougé les dents en même temps, je suis planté. Zut. Je pense pas autant de flottes, économiquement, je peux pas tenir. Sans déconner, les Amobai, ils sont ici? Non. Comment ils font? Les Horatio ont une part... sont occupés par une partie des Aoba. Les Amoba sont ici aussi. Attendez, faut que je regarde le score quand même depuis le début. Ah ouais, en fait, les Amoba, ils sont méga puissants. Ok. Alors en connaissance, je suis le dernier. En armée, je suis le dernier. Je suis le dernier partout, en fait. Ok, on est pas dans la merde. C'est encore plus grave que ce que je pensais. Tu produis quoi, toi? De la science à gogo? Tu nous fais des méga lasers, man. Pas des lasers lourds. Toi, pareil, t'arrêtes de faire ça. Tu fais des lasers lourds, maintenant. Putain, puis c'est dommage, t'as eu reconverti. On a pris des dégâts de population pour rien. En fait, il faut vraiment que les Horatio les achèvent. Que si moi je réussis à achever les Horatio, ça va me faire un peu de population gratos. Play on, c'est au play on. C'est ici. En plus, on est même pas en territoire Horatio, quoi. Les Horatio, ils nous tuent alors qu'on est chez les Amoba. On a réussi à s'enfuir, bien fait. Je suis en train d'explorer le terrain en fuyant, quoi. Toi, tu peux fuir là-haut, on sait jamais. Toi, t'as fui, c'est fini. Ah, Elliot. C'est où, Elliot, déjà? C'est ici, c'est vrai. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Dégagez, putain. Alors, le système, il est totalement au point. Et comme il est totalement au point, tu nous fais des lasers lourds. Et même les lasers lourds, ils te... pas mes lasers niveau 3, ça servira à rien. Ok, ça, tu me sers à rien. Pareil, tu tentes la fuite. Putain, les mecs ils se sont fait détruire, quoi. GG. Ah, parce qu'en façon, en plus c'est les flottes invulnérables. Toi, tu peux t'enfuir ou pas? Ok, t'es juste bloqué. Ah, toi c'est cool, tu peux bouger maintenant. Bon, en fait, tu vas aller voir là-bas ce qui se passe. Il est où celui-là? Kaelium, ok, c'est là. De toute façon, au pire, je les perds, et si je les perds, je les paierai plus en maintenance. Putain, ils ont un de ces empires, les mecs, c'est monstrueux, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre eux? C'est parce que je dis, il faut créer une alliance. Oui, là franchement, il me faut une. Il faut falloir que je crée une méga alliance. Toi, t'es en guerre contre qui? Contre les ISO, tout le monde. Toi, t'es en guerre contre. Faut savoir contre qui je avec qui je m'allie. Ce serait les ISO les mieux. Putain. Le problème, c'est que tant qu'ils sont en guerre entre eux, ça sert à rien. Vous pouvez pas faire la paix, bon sang? Comment ça, tu produis rien, toi? Je t'ai vu. Offre de paix des Horatio. Je rejette.
L'accord est terminé ici. Donc les oratios, faut que j'en profite, c'est maintenant. Faut que je les achève absolument maintenant. Que j'aille me faire des points. Donc je vais me sortir une flotte de missiles. C'est combien? C'est du 2, je suis à 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça fait 7, je vais pas compter. Créer une flotte. Une flotte de... Je sais pas, j'ai combien de lasers? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Et il me faut... Encore une flotte de missiles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les bons, c'est pareil par groupe de 7. Et un groupe de 3 pour finir. Ok, c'est toutes mes flottes ça. Même ici ils ont fini de faire mumuse. Non, pas encore. Alors là donc j'ai vu ce que je pouvais créer. J'ai 3 flottes pleines, une flotte pas pleine et des flottes de bombardement. Donc le but c'est que je m'en prenne ici et que je me reprenne tout ce secteur là. La A. Donc la A, t'as tout fait. Tu me fais des lasers lourds. Putain, ça coûte tellement cher. Est-ce que je peux commencer à réattribuer mes chefs? Voilà, c'est fait. Allez les mecs, vous reprenez des flottes. ça c'est une flotte de New Laser, missile, New Laser, New Laser, New Laser, missile, missile, missile. Bon c'est pas grave, ça passera une flotte pleine. On sélectionne tout le monde, mouvement. Ok, et demain on attaquera. On immobilise le système. Tous ceux qui sont ici on élimine. Sabotage. 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 Parti. Il a fui. Est-ce qu'il y a d'autres flottes dans le système? Il y a une flotte Pilgrims. Tiens d'ailleurs, j'ai pas regardé. Des Pilgrims, ils sont en guerre contre qui? Les Human Empires. Eux, ils sont en guerre contre qui? On remarque une... Putain, les Human Empires, c'est vraiment qui se calme, les cons. C'est sûr que c'est en plus c'est à cause d'eux qu'on fait pas grand chose. Parce que là il faut qu'on fasse une alliance. C'est la seule chose qui nous reste pour survivre. C'est quoi ça? Vous avez cartographié la moitié. C'est pas mal. Où ça? On se bat où là? Ah on se bat là. Bah tentez votre chance les mecs. Vous êtes les promeneurs du futur. Génial, vous avez encore réussi à fuir. C'est quoi ça? Ils me veulent 400 brumes contre tout ça. J'ai pas envie, mais t'inquiète pas, on va négocier. Votre tentative de Ah mince, ma faute est quand même morte. Dommage pour eux. Apparemment, les Human Empires, ils veulent négocier des trucs. Ils veulent de la brume. Je vais leur remettre un accord de coopération. 4000, ils aiment pas, c'est vrai. 3000. Non, 3000, c'est trop. Faut que je me trouve une technologie qui coûte moins de 3000. De la brume à la poussière, c'est quoi cette technologie-là?
Ça doit être par là. Non, par là peut-être. Ah, je vois bien, c'est... Ça fait quoi ça? Piller le système. C'est de la merde. Ok, donc maintenant t'as plus que des technologies de merde. Par contre, contre un accord de coopération, est-ce que t'es prêt à me donner des trucs sympas? Tu peux me donner un exarium ou un antimatière. Même deux antimatières. Ok, alors faut que je regarde. Exaférum, antimatière, eau de brume, hydromel. Alors, exaférium gelé, l'antimatière gelée. L'exaférium, j'en suis qu'à un seul. Ok. Eau de brume, pierre de vie. J'ai pas de sanguine, mais j'ai pas d'hydromiel non plus d'ailleurs. Mercurite, pierre de vide. Ouais, c'est chelou ça. Il faut que je lui trouve un accord intéressant. L'hydromel, ça va augmenter la population, ça va augmenter les trucs intéressants. L'eau de brume, ça me sert plus à rien. L'hexaférum, non, je veux pas les trois. Ah non, il veut pas m'en donner autre chose. Il était prêt à me donner de une antimatière. Non, même pas en fait. Et l'autre brume? Ah, même pas. Et une technologie pourrie? J'ai bien dit oui, une technologie pourrie. C'est juste histoire de sceller l'accord. Voilà, accord de coopération. C'est signé. Ensuite... Je suis prêt à te donner les 400 brumes que tu voulais. Tu voulais 430. Non, il y a marqué 1430. Voilà, 430. Mais contre une technologie qui coûte 4000. Est-ce que c'est ok? Ok, une technologie qui coûte 4000, ça les vaut pas. Une technologie qui coûterait 3000. Ouais, en fait, toi, t'es un relou de la vie, hein, sincèrement. T'es un relou de la vie, mec. Bon, je t'ai quand même négocié quelques petits trucs. Je suis content de moi. Ensuite, le ISO. Accord de coopération, il veut pas le faire. Et le Pilgrim. Création d'une alliance, il veut pas. Toi, en fait, création d'une alliance, il veut pas non plus. Ok. Bon, ben, je propose qu'on arrête de blablater et on passe aux choses sérieuses. Horatio, discuter, déclarer la guerre, c'est parti. Voilà, et toute la flotte qui est là. Alors, je vais pas envoyer tout comme un bourrin. Parce que je me connais, je vais me retrouver comme un idiot. Donc je vais envoyer un chef et la flotte de secours, je vais les envoyer là, pour commencer. Voilà, et là vous faites le siège du système, et tout ce qui reste, vous allez à Shaddai. Et à Shaddai, vous faites le siège, truc, et vous allez tuer tout ce qui bouge. Ça c'est une flotte de siège. Donc on y va en sabotage, sabotage, sabotage feu. Il a raté. Ok.
Je sais pas où vont ces flottes, mais elles vont quelque part. C'est déjà ça. Il reste après encore un système à s'occuper ici. Ok. On enchaîne. On va essayer de faire ça très vite. Heine, qu'est-ce qui se passe à Heine? Il n'y a rien qui se passe. Si, pour faire ça maintenant. Et ensuite... Ah, ça c'est bien ça. Tu me fais ça tout de suite, ça veut dire que... Il est temps de rappeler tous les systèmes parce qu'il y a une construction à faire que j'ai ratée depuis le début. Celle-là. J'ai oublié de la faire passer devant. C'est ça qui va être compliqué en plus, c'est qu'il va falloir la remonter à chaque fois. Oh putain, ils sont tellement longs à produire les vaisseaux que j'ai demandé. T'es qui toi? Brassia? Ouais, tu me fais ça avant, on sait jamais. Au bout d'un moment, tu me serviras peut-être à quelque chose. Ici, j'ai oublié de changer le truc. Alors, il faisait de la recherche infinie, et après, quand il sera motivé, il fera ce que je lui ai demandé. Tu me fais ça. Toi, tu l'as déjà. C'est bien. Ouais, sur un câble, les méga lourds, enfin, mes méga lasers, il les fait vite. Sur Cygnus, c'est 20 tours. Là la galère quoi. Et pourtant ils sont à fond. Ici aussi ils sont à fond. 20 tours. 7 tours. Bushir, ils les font en 3 tours apparemment. Ils traceraient un peu plus apparemment. Ok. Ben, c'est bon, faut continuer les mecs alors. Mais c'est bien 4, ça fait des réserves. Pisne. Je crois que ça fait un moment qu'il a bossé ici parce que j'avais lancé beaucoup de choses. Voilà, c'est équilibré. L'appareil, il n'est pas fait. Hop, maintenant il le sera. Dire ça, c'est mes plus gros systèmes et ça produit à peine. Franchement, même mes plus gros systèmes sont pourris. Je suis dans la merde. Et tu passes devant. Enfin, c'est décidé, j'ai trouvé qui était mon ennemi. Ok, j'ai fait le tour des systèmes. On est en position ou pas? Ok, à ton tour, tu vas te taper. C'est une flotte à 2000. Bon, normalement, les orations, on devrait pouvoir réussir à les tuer sans problème. À moins d'un truc inattendu. Qui a très peu de chance de se produire. Et comme on dit, ben, faut profiter parce que le moindre système pris, ben, ça fait du renforcement de puissance contre les derniers. Parce que les Amoba, le combat s'annonce très difficile. Ça c'est bon, c'est relancé, la science ça va enchaîner. Et toi t'es niveau 23. Pas mal mec, pas mal. Je sais plus quoi faire. On va monter l'intellect, allez. Tu seras plus intelligent comme ça. Et voilà. Donc sur ce, on va s'arrêter là. Et on se retrouvera demain pour le tour 148. Merci de m'avoir suivi. Et ciao, bye bye.